Bonjour à tous les amis sacrés et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui. Trois nouveaux numéros de notre Photon Millennium de chez Altaïa avec les numéros 75, 76 et 77. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez avoir tous les détails de cette collection, vous avez le lien de chez Altaïa dans la description, le lien du groupe Facebook de construction et on est parti pour ces trois numéros. Note 75, la main invisible du général Grievous. Classification des vaisseaux militaires partie 2. L'assemblage de la mandibule. Le 76, le coronet de la duchesse Satine. Classification des vaisseaux militaires partie 3. Note pas à pas, donc on va ajouter les plaques, des éléments de renfoncement, pardon. Et le 77, le finaliseur vaisseau du premier ordre. Classification des vaisseaux militaires partie 4. Donc on va continuer les renfoncements. Et des éléments de décoration. Alors, on commence par mettre notre pièce TF-41. Dans les deux trous qui sont là, on va venir mettre des tonnetteurs de trous. On vient y placer la pièce TF-42. On y remet deux vis. On vient remettre deux tonnetteurs de trous au bout. Et enfin, on vient mettre la pièce TF-40. Voilà. On récupère le renfoncement interne du numéro 74. On prend lui aussi qu'on a eu dans ce numéro-là. On va commencer par récupérer l'élément 1, donc celui-là. On vient le coller. Alors, il va venir dans le trou juste ici. On va mettre un petit peu de colle par là. Comme ça ici. Le 2 qui est juste à côté, il va venir se mettre dans le coin. On prend ensuite les 3 et 4 et on va venir les coller ensemble. Ah bah non, ça c'est le 6, merde. Le 4 c'est du Taylor. On va mettre un petit peu de colle juste ici. Et on vient coller notre numéro 3. Cette fois-ci, on vient sur la pièce de ce numéro 75 et on va le mettre dans les deux trous de la partie haute. On prend la pièce 5 qui va venir dans les deux autres trous. La 6, elle, vient dans le trou du haut. Pas exactement dans le trou, hein, dans la petite landette qui est là. Et voilà pour ce numéro 75. Note 76. On va commencer par venir prendre la pièce TP-29.
on vient la mettre sur l'armature qu'on a fait dans le numéro précédent. On y met 4 vis, donc les petites vis grises. On vient ensuite mettre la deuxième plaque. Et on y remet des vis à chaque fois. Et voilà pour cette étape. On va ensuite prendre les éléments de renfoncement. On va prendre déjà la pièce 1, donc la plus grosse ici. Elle vient se coller par là, dans le trou qui est ici. On prend ensuite le 2. Super, elles disent pas. Le 2, c'est celui-là. Avec tous les petits trous. Donc le 2, lui, vient se coller sur le côté ici. Le 3 va venir sur le côté par là. Et enfin, le dernier. Alors, celui-là, il va venir se mettre dans le creux au fond là. Et voilà pour ce numéro 76. Note 77, on va venir installer les renfoncements. Donc le premier ultimètre, c'est celui-là, le 2 c'est celui-là, le 3 il est là, et le 4 il est là. Les 1 et 2 viennent sur cette partie-là. Donc on va retourner. Le 1 vient par là. Ah, quand on est comme ça, la partie comme ça doit être vers le haut. Il faut venir mettre avec deux vis au hauteur aux deux en laiton. Stylet montre. Ils n'ont pas été le C. Bon, je pense que c'est celle-ci. Les autres, je les trouve vraiment courtes. Le deuxième va venir comme ça ici. Deux vis également. Les deux autres viennent par là. Là, c'est pareil, j'ai mis des vis, mais fallait pas. Trois, viens comme ça. Et le 4, ici. On va récupérer le 1, donc qu'on avait laissé sur ce grappe-là, ici. Alors, celui-là va venir se coller juste ici dans les trous qui sont là. Cette partie la plus fine vers la droite. On va maintenant défaire la pièce, la longue, qui est ici. Celle-ci va venir se coller sur le bord par ici. Donc, on va mettre un peu de colle dans le trou là. Ici et ici. Hop là, non, ici. On prend la dernière. La dernière de cette grappe, elle va venir se mettre
Alors, dans le trou, ici. Et ici. Elle va s'emboîter dans le trou au fond par là. On va ensuite prendre sur cette grappe-là, la catte, donc celle du bas. Alors, la catte, elle va se mettre dans le trou du haut ici. Et en haut, par là. On prend ensuite la cinte qui vient juste en dessous. Pas le trou juste en dessous, lui encore après. On laisse un trou en haut. Alors celle-là vient dans le trou du dessous. Alors, je me suis trompé. Ça va être la colle. Après, le trou a eu le temps de sécher. Voilà, celle-là vient là. On prend le 6 et le 6, celui-là, va dans les trous du haut. Et dans le trou au fond par là. Le 7. Le 7 va venir dans les trous du bas. Voilà. Le 8. Le 8, lui, vient dans les deux trous ici. Le 9 va venir par là. Et enfin le 10 ici. Et voilà pour ce numéro 77. Et voilà, ça y est, pour ces trois numéros, notre mandibule prend bien forme. Après, on n'aura plus qu'à venir l'assembler pour pouvoir venir la mettre en place. On pense, comme d'habitude, à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!